Et boum! Et plop les gens! Et eh bien, peuple gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Counter Spy, le jeu gratuit du mois de mars sur le pour les abonnés pardon, du PlayStation Plus. Si j'arrête de jouer avec l'écran, ce serait mieux. Je pourrais voir un peu ce qui se passe. Attention, les niveaux sont générés aléatoirement, vous verrez une expérience unique à chaque fois. Tiens, intéressant ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Voilà, je ne sais pas. Tout simplement. J'ai pu voir quelques images du jeu. C'est un jeu coloré. Un peu bizarre. Alors si je ne me dis pas bêtise, c'est genre un jeu de plateforme où il faut avancer genre en mode une sorte de Metal Gear Solid, mais en 2D. Et simpliste dans ses décors. C'est une de la bêtise bien sûr, enfin, peut-être qu'il faut, j'ai des conneries, on va s'en apercevoir qu'en fait c'est pas du tout ça. En fait c'est un jeu de Pogs virtuel. Bon, pas bon. Non, oui. Alors, l'intro dure, hein. Mais dans l'ambiance, une ambiance années 70. Film d'espionnage. Au premier James Bond ou... Chapeau melon et bottes de cuir, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait aussi merde. Les deux gars là. Bref. Alors, bon, c'est les bails, on va gérer les options. Compte en ligne, on s'en tamponne. Paramètres, féminique, arsenia, visée, nia. Non, merde. Dégainer, c'est L1 ou L2. Tirer, recharger, c'est R2, donc ça, pas de problème. Deux boutons, c'est les mêmes. Sélectionner une arme avec la croix, interagir avec triangle, mettre à l'abri avec 0, mêler haut, carré, putain j'ai n'importe quoi. Croix sautée, tu vises avec R et tu marches du coup avec... Non, donc déjà, les commandes sont assez simples. Donc commençons une partie, voyons. Il était une fois. Deux ennemis en guerre froide s'affrontant dans une course à l'espace pour développer les plus grands missiles atomiques de destruction massive jamais connus de la civilisation. D'accord, États-Unis et... Les impérialistes s'opposent à la République socialiste, des ennemis jurés déterminés à devenir la première superpuissance capable de lancer une attaque nucléaire. Sur la Lune, parfait. Donc le grand combat de la guerre froide, hein, les États-Unis contre l'URSS. Counter, agent, confirmez que vous avez atteint Atomigrade 13. Ouais, si tu veux. Affirmatif, j'ai bien franchi le rideau de fer. Cool. Dans ce cas, nous serons... Bref, agent, la tension entre les deux superpuissances a atteint son paroxysme. Voilà pourquoi je n'ai jamais de vacances. C'est dommage. La République socialiste conserve les plans secrets de son programme spatial là où vous voulez trouver. Votre objectif est d'infiltrer cette base militaire, de les récupérer. Chouette. Quel soutien je peux attendre de l'agence? Bah rien du tout. Nous allons vous transmettre des encouragements et croiser les doigts pour vous. Voilà, c'est ce que je disais, rien du tout. En train, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour changer. C'est un peu ça les films d'espionnage. Hein. Le mec, on est assistance, mais ça sert à rien. Quoi. Le mec est tout seul. Et pas les officiers pour voir les forces à se rendre et réduire le niveau d'alerte. Si tu veux, si c'est ton choix, ce sera le mien. Les gardes d'élite sont invincibles au corps à corps, éliminés à distance. Début de la mission. D'accord, donc c'est de la plateforme. D'accord, donc là je vise. Ouais, c'est le joystick gauche, vers la gauche ou à la droite pour vous déplacer, appuyer haut pour faire une roulade. Hop, joli en tout cas. 3D un peu en soi, un petit peu cel-shading, vite fait. Appuie sur sauter et attraper un rebord, d'accord. Hop. Ah.
Donc ça m'aide à taguer l'intérieur de la ventilation. Hop. Ah mince, je suis interdit. D'accord. Donc on a quand même une petite version 3D quand même. Avantage aussi droit pour viser sans vous mettre en danger. Et donc pour attaquer les gars, maintenez L1 pour déplacer le joystick et déplacer le joystick pour viser, puis sur R1 pour tirer. C'est une quiche! Appuyez sur R1 pour charger votre arme. QG du counter. Ce laboratoire doit contenir des plans secrets sur leur programme nucléaire. Accélérateur l'accélérateur et trouvez-les. Quel ordinateur? Ah, celui-là? Pardon. Quand je voyais, j'avais peu l'impression que c'était un oscilloscope, mais ça va. Beau travail, agent est crucial pour vos missions, vous dérobiez les plans de l'ennemi. Continuez à trouver d'autres ordinateurs. Affirmatif. Bon, je suis censé aller où? Hop. Ah oui, c'est un peu robot, j'ai pas vu. Putain, là, je suis le saut qui nous fait, lui. C'est un moins de secours quand t'es faible. D'accord, mais j'ai pas de. Santé faible, moi. Après, pour qui? Orientez légèrement le joystick gauche à droite pour vous glisser discrètement derrière le garde et appuyez sur carré pour le maîtriser en silence. C'est parti, Kiki. Halt! Voilà, toi t'es mort. C'est rigolo ce jeu vidéo. Bref, hop. On détruit l'oscilloscope. Parce que sinon, on pourrait. Et qu'est-ce que c'est quoi ça? Le gars utilise une radio pour renforcer le niveau d'alerte. Éliminez-le avant que la situation dégénère. Tout faire pour. Attention aux éléments qui révèlent le DEFCON de base. S'il monte trop, un décompte se déclenche. Sautez sur la commande DEFCON à la fin du niveau avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Hop, boum. Ah, j'aurais pu faire comme ça aussi. C'est bien, ça aurait pu être bien. Mais bon. Les charges possibles de faire sauter le coffre. D'accord. Fragment de schéma d'armes. Pistolet diplomatique. C'est cool ça. Les schémas volés sont utilisés par le counter pour mettre au point des armes perfectionnées. Montez toutes les pages d'un schéma pour débloquer de nouvelles armes mortelles. C'est cool. Bref, je sais pas censé appuyer sur un bouton pour baisser le DEFCON, je sais pas quoi. Livré, comment identifier l'ennemi à l'odeur de ses pieds? Et quoi? D'accord, si tu veux. Non. Bon bah, je croyais qu'il fallait que j'appuie sur un bouton, mais apparemment non. Caméra. Pourquoi ça fuit là-bas, mes pieds? Les caméras de surveillance font monter le niveau d'alerte. Mais j'ai pas eu le temps de lire! Ah non! Ah non! J'ai pas le temps de le dire. La question suit, je serais un peu plus discret quand même. Hein. D'accord, je croyais tuer une par une. Bon. Pourquoi me dirigez-vous? Pourquoi? Oh, le truc rouge, il baissait tout à l'heure, non? Non, bon. Oui, tout. Absolument pas! Ne tirez jamais sur les officiers, ils finissent toujours par capituler s'ils sont les derniers survivants. Braquez votre arme sur un officier qui se rend et il fera baisser le niveau de l'alerte pour vous. Et après, je suis censé faire quoi? Choisissez un optionnel en utilisant les senseurs ou ignorez-les et continuez vers votre objectif principal. Ok, par contre, j'en fais quoi après de ce mec-là? Moi d'accord, il se rend comme ça et après il reste là à vie quoi. Ok. Ah. Près d'un garde, appuyez sur carré pour une attaque mortelle et tranchant la main. Oh Dieu! Hus! Les positions naturelles? Bref, faut que j'aille faire quoi après? D'accord.
Motherfucker! Alors? Rien eu? Alors? Rien eu? Hop, prends la vie. Non, c'est bon. La bim! Alors je mets la position de défense qu'on quoi. Les formules améliorent la capacité de votre espion. Tenez toutes les pages une formule pour débloquer une nouvelle attitude. Endurance, cool, j'ai plus d'endurance. Nouvelle formule débloquée, endurance. Ça c'est chouette. Aucune idée de ce que ça me donne. Ça a l'air chouette. Ça va être. Hop, on tourne l'ascenseur. J'ai le petit Il a disparu. Il est parti. C'est pas dernier ça. Ah non, il en manque encore un. Alors on a une caméra et un soldat en haut. Hop là, là on a... C'est quoi ça? C'est important. Faut que je chope les trois en même temps. J'aurais pu faire tout péter un tir en dessus, mais je pense que c'est quand même un peu bruyant. Hop, je recharge. Non, tu vas me montrer tranquillement. Et boum! Et boum! Voilà. Le dernier. Je pense qu'il faut que j'aille tout à gauche, mais je vais quand même aller checker à droite s'il n'y a rien de spécial. Je vais retourner. Attends, accéder au tunnel d'espace à hauteur de 500 millions, j'ai pas eu temps de lire. Merci. Ah oui, il y a une plaque d'égout là. Vous allez voir un truc là. Vous allez voir quelque chose. Pas quoi encore. Il va forcément y avoir quelque chose. On va faire chier jusqu'à là-bas pour rien quand même. Des chiottes. Parfait. Je vais chier, j'ai le droit. Ah bah voilà, cool. Un coffre-fort. Nice shot. Avec du nucléaire. Parfait. Formule persuasion. D'accord, donc j'ai que le premier. Très bien ça. Ça c'est très bien. Il saute quand même, hein, salaud. Culé. Il plaisante pas lui. Quand il saute, il fait pas semblant lui. 4 peines de haut. Pas du basket mec, hein. C'est pas l'espion que tu devais faire. Hein. Bref, le dernier, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'on va aller doucement. Merde, culé, il saute. Pour cette mission sans tuer quelqu'un, tiens. Je suis faible! Ça, c'est pas cool, ça. Qu'est-ce que je gagne? Fusil perforateur, ça a l'air cool, ça aussi, tiens. Salut! Ah, je crois que je suis mort. Pourquoi je recommence avec le niveau renforcé tous mes couilles là? T'as vraiment toi? Ah, c'est ça, je peux le baisser ça, non? Ça? Et éliminer la menace, toc 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 toc. Ah, il y avait un truc, je pouvais descendre. Ah merde. Je pensais que c'était juste pour éliminer, enfin baisser le niveau. Il y avait un truc où il y a déjà une échelle où je peux descendre. Donc je pense que j'aurais pu aussi peut-être découvrir d'autres choses. Alors continuez. Pas du milieu sur la droite. Je pense qu'en niveau plan secret, on fait pas mieux. Alors, je prends un missile, je lance vers la lune, la lune explose, tout le monde est content. Ça c'est du plan secret ça. Le plan secret d'évoluer avec les deux superpuissances sont en position pour chaque. Après la phase de la lune, c'est la lune. Donc la lune indique que la détonation sera soumise en puissance pour perturber l'équilibre de la lune, pour lequel ça chute sur la Terre.
La plaque résultante ne tirera toute vie sur ta planète. Donc à quoi ça sert que les gens se fassent chier et créent des bombes nucléaires pour péter la Lune pour finalement ça tombe sur la gueule et qu'ils meurent avec nous? C'est nous contre des criminels. Vous devez faire en sorte qu'ils atteignent une balade auditive, vous devez chez la fusée. Votre objectif est de récupérer les plans de lancement de l'ennemi afin de localiser le site de lancement lunaire. Chaque camp devra trouver un certain nombre de plans de lancement volés sur l'adversaire pour débloquer la dernière mission. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, ils appellent à la liste ou infiltrer les socialistes. 4 pages de formule ou un schéma d'armes. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le premier en fait, c'est le deuxième, non? Parce qu'en haut, ça monte. Non, pas... Alors, quand c'est par lui, on fera lui après. Allez, où? Commencer la mission. Ah, l'homme est formé débloqué et reste d'une session à l'autre sur différents appareils. Si vous avez Counter Spy sur l'appareil portable, vous pouvez lier votre appareil portable. Lier, on s'en fout complètement. Parce que je ne l'ai pas du tout. Recharger les munitions pour toutes les armes. D'accord. Une arme disponible. Ça, c'est une pistolet normal. Pistolet de semi-automatique doté d'un chargeur de grande capacité de grosses réserves de munitions. Pistolet équipé d'un silencieux, sa grande discrétion compense largement son efficacité moindre au combat. Oui, mais il a un silencieux quand même. Ça c'est cool. D'accord, on peut carrément y aller là, mais au... Ah oui, au fusil à pompe et tout quoi. En mode YOLO... Qu'est-ce que c'est ça? Le tromblon bizarre. J'ai un truc où j'avais trouvé un schéma. C'est celle-là, d'accord, j'ai la moitié du le schéma de l'arme. Bon ça on va l'acheter, bien entendu. Et on va la mettre, hop, ici. À gauche. On mettra tout le temps. Bon, j'allais déjà charger. Formule. Endurance. Réduit de 40% les dégâts infligés par les tirs et les explosions ennemies. C'est cool ça. Persuasion. Rassemble plus de pages de recherche pour débloquer cette formule. J'en ai deux. Plus qu'une. Qu'est-ce que c'est? Par contre, j'y explique pas du tout. Mettre une camouflage. Course silencieuse et parfaite. Brouillage et informatique. Condition physique. Donc on a un petit côté RPG ou. Pas du tout. On améliore un peu son équipement afin de se permettre d'aller un peu plus loin dans la mission. Vous voyez, de pouvoir pour un peu être plus efficace. Alors zoom, on va attaquer le commandement stratégique Mufflet. Aux États-Unis comme par hasard. Hein. Alors que les adversaires sont comme par hasard en URSS. Les agents de Counter sont autorisés à utiliser des touches directionnelles pour changer d'arme. Ça, c'est gentil ça. Voler les plans de lancement pour localiser les sites de lancement nucléaire, empêcher le niveau d'alerte de monter en neutralisant les menaces rapidement et discrètement. Donc là je change, hop, là je change, là je change, là je change. D'accord, donc là mais pas du tout la même, mais au niveau de la tronche, ça revient au même. Let's go Power Ranger. You are being monitored by electric air. Oh yeah. Et on va descendre gentiment. Hop, boum. Caché là. Voilà. Donc il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui arrivait. Faut prendre que je tente de recharger. Voilà. Oh le bruit. Keep out. Là où on comprend. C'est en anglais, latrine. On comprend pas ça. What the fuck? La chiotte. Ils aiment bien les chiottes ici, j'ai l'impression un peu. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Impact environnemental de la destruction de la Lune, rapport d'étude, je gagne 150$, cool. Je me demande si vraiment j'utilise mes... Headshot! D'accord. Plus tard. Qu'est-ce que j'ai gagné? Rapport d'étude, comment embarquer plus de bombes atomiques sur notre fusée, plus 150$, bim. Keep your enemy tips, numéro 27, shooter les Jurassiens, mais pas shooter les Américains, bien ça. Les mecs sont tellement débiles, ils sont obligés de speaker, soldat. Où est-ce qu'il faut qu'ils tirent? C'est énorme! Juste devant le truc, donc personne ne le voit. Hop. Pour l'instant, pas besoin. Je sais qu'un truc moins. Au moins, j'en ai un dans le coin. Là aussi.
Parfois, il va falloir que je course. Hein. Pourquoi il va cramer? Pourquoi ils sont tous gris, lui, il est vert? Voilà! Parfait! Et bah, elle part vite, Marantin. Où est-ce que ça part vite? On le rattraper, ou est-ce que. Yes! Du coup, il se débat tous quand même. Parce qu'au final, ça revient cher. Pourquoi j'ai pas. Oui, bonne question. Pourquoi je ne suis pas allé me soigner? Hop, trou de secours. D'accord, on peut se choisir qu'une fois par. Ça va aller plus vite quand on fait ça. On a beaucoup de jeux, il y a toujours des astuces pour courir un peu plus vite. Merde. Comment est-ce que je vais faire pour le tuer lui? Bah voilà. On se prend pas la tête. Ah, c'est un peu galère, ça monte. Descendre. Ah! Je suis nul! Plan de lancement trouvé. Ah, bah voilà, enfin! Ah, toi, t'es une longueur. Merde, il y a du monde en haut. Fait chier. Comment on monte? Comment est-ce qu'on monte en haut? Comment? Bon, Thomas est mort. Yes. Comment on pouvait monter là? J'étais pas à cette échelle avant. Ah putain, il fallait monter. Putain, j'ai encore un peu de mal à voir les petits. Les petites barres jaunes. Avec lesquelles on peut sauter. Faut que je fasse plus attention. Requête futile pour ajout de. Ah, j'ai plus de balles, mon silencieux. Donc faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse plus attention à la munition, j'ai l'impression. Là par contre il va falloir que je sois subtil. Yes. Voilà. Du tout du. Ah, plus de balles. Donc, c'est réglé. Donc il y a des gains ici. Ça ne sert à rien. Je vais descendre tranquillement. Pour voir s'il n'y a pas un peu plus de monde. Toi t'es mort. Ah donc tu vois, vous voyez un peu là au pied du lit, il y a des bouteilles, mais des bouteilles. Il y a une croix de. Enfin une croix. Pff, putain vache. Une étoile. Donc ça se plaint un peu, ça fait le mec patriotique, non socialiste et tout, mais. Ouais puis colle. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore de l'argent, note secrète. Plus sécurité, c'est lance-grenade. Pourquoi il y a trop de monde là? Ouais, les trucs verts, on dirait une caméra, ça pue. C'est discret ça, tiens. Ah, persuasion niveau 2, bim! On se casse. Donc il cherche, je sais pas quoi. Non, tu veux pas monter à l'échelle? Merci. Le mec qui va passer là, lui ce qui va passer là. Pas du tout.
pas du tout. Non, tu m'as pas vu, pas vrai. Je prends tarif. Ah ! Je vais faire rétamer, c'est ignoble. Viens faire mal à toi, viens faire mal à toi. Bon, pour ça j'ai pas encore augmenté le niveau. Qu'est-ce que ça veut dire que je me déroule bien? Les mecs avec moi, les mecs contre moi sont nuls. Une question, on pas besoin de me répondre. Le plan lancement numéro 2, bim. Allez, ça c'est fait. Et là, cool. Il y a bien au temps même que tout à l'heure. Parfait, parfait, parfait. J'aurais pu aller passer là pour 8 minutes et demie avant de. Alors, du coup, il y a un mec qui est là. J'aurais eu un mitraille à la gueule. Une peau. Puisque. Hop, note, je gagne beaucoup d'argent. Avec pas grand chose, mais j'ai gagné beaucoup d'argent. Alors. Lui, il est vénère, lui. Lui là-bas, il ne voit pas. Et deux là-bas, on peut pas trop inquiété. Donc. Est-ce qu'il faudrait d'abord que je tue lui, parce qu'il a l'air vénère. Hein, qu'ensuite, je tue les deux là. Et qu'ensuite, je tue lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'avais plus de balles. Pourquoi niveau 2? Ta mère? Quel moment niveau 2? Il en reste qu'un quoi. Ah, j'ai mal joué. Oh, prenez pas les pieds, Dion. On a gagné cette fois. Gendarme, non? Ah. Mettre du camouflage. Hop. Là, on baisse le niveau. Qui reviendra à 3 du coup. Même pas? Même pas! Faut trouver des officiers pour baisser le niveau apparemment. C'est le seul moyen. Tu vois la fusée, d'accord. On va piquer le cul de la fusée. Le moteur, moi, c'est plus. Chaque Defcon passe une mission à l'autre. Si mon trop lancer une opération contre une autre superpuissance. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Ça baissera un petit côté. On va partir là-bas. Allez hop. Combien de temps ça fait qu'on tourne, en fait? Question, question, question. Hop. Réponse. 27 minutes. Bah du coup on va cesser là. Sauf que ça va pas trop long. Ça... Aïe. Ouh. Un mauvais geste là. Ah. Du coup comme ça si on a envie de continuer ou de se faire une petite vidéo, au moins on pourra continuer sans forcément avancer trop dans l'histoire. Voilà. Donc du coup je vous dis, portez-vous bien, faites pas trop votre corps, et on peut se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez qu'on continue sur ce jeu. Ou qu'on bazarde. Et une fois que vous l'ayez vu, que vous soyez vous jouez avec, soit vous avez plus envie de le voir, et qu'on passe à autre chose.